Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder Soul Suspect. Ce nouvel épisode où je me retrouve la lumière dans la tête, hein, parce que ça n'a aucun sens, voilà. Tout simplement. Et je ne veux pas aller là puisque c'est la sortie. Donc nous étions rentrés dans ce cimetière Ashland Hill Cemetery pour retrouver Joy, hein. What? Ah ben c'est peut-être elle là-bas. On va aller voir. De toute façon, il y a plein de trucs. Bon, comme d'habitude, hein, appuyer sur pause pour voir toutes ces merdes là. Voilà. Moi, je les regarderai dans la vidéo une fois qu'elle sera faite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment on y va? Ouais, il veut pas aller dans l'eau. T'as peur de l'eau? Les fantômes n'aiment pas l'eau, c'est bien connu. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant par ici, à part des tombes, des tombes et des tombes? Eh ben toi alors, interrogé. Tout va bien, tu es sur les nerfs. Tout va bien. Tu vas bien? Je Non, sais tout pas, va bien. j'étais bourré. Elle aussi. On était en train de faire un câlin et Oh, c'est je me suis mignon. retrouvé à l'eau. Le temps que je remonte, Ouah! Elle t'a poussé en fait. elle t'a poussé? Ah bah ouais, voilà, Non, merci. non, pas du Merci. tout. Comme je disais, j'avais bu et j'ai perdu l'équilibre. Je pensais qu'elle serait toujours là à mon retour. Ah mais mec, elle t'a carrément J'ai essayé de faire poussé. peur. Bah tu es Ouais, mort en même comme ton temps. cadavre dans l'eau. Hein? Laisse tomber. Ouah, le mec, il est même pas au courant qu'il est mort. Je sais que Tu je vois vais pas y des aller, choses bizarres par hasard, mais hein, depuis, si non? elle revenait. Mais t'es mort. Il faut peut-être lui dire, mais dis-lui qu'il est mort, non? Et le mec, s'il faut, il bouge pas parce qu'il est mort, parce qu'il sait pas qu'il est mort et... Oh. C'était plus douillet au poste de police, tu trouves pas? Le truc à régler, c'était d'aller chercher une torche. Mais tais-toi. Je te vois pas et on se parle pas, d'accord? Cet endroit grouille de gens que je préfère éviter. Ça reste quand même des gens. Ah ouais, t'imagines tout le si tout le monde lui saute dessus Le carnet dit qu'il y a un meurtre qui s'est passé ici, une fille. Mais je ne vois que de la terre et des feuilles. La piste ne peut pas s'arrêter là. C'est trop tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en occupe. Mais de quoi tu t'en occupes? Tu sais même pas ce que t'as à faire. Tu t'es fou de ma gueule? Il faut que je découvre s'il y a un lien avec le meurtre du crieur ici. D'accord, cherchons des indices. Je commence à avoir un indice. Vraiment? Ouais, cette affaire me donne un super gros indice. Oh, je commence à avoir un indice aussi. Mon indice me montre que c'est par là. Oh oui, ça y est, mon indice est complet maintenant. Je continue à avoir un violent indice. Mon indice pointe dans cette direction maintenant. Oh, suivons cet indice. Oh oui. Où y a-t-il des indices? Eh ben non, je m'en fous, je veux passer à travers le mur là-bas, moi. Passe à travers le mur, passe, passe! Mais passe à travers le mur, bordel, c'est pas une maison, tu peux passer, non? Je veux passer. Oh, bon, ben on peut pas. Bonjour, est-ce que tu connais un... Laissez-moi, vous ne voyez pas que je cherche quelque chose? Tu cherches quoi? Laissez-moi, vous ne voyez pas que je cherche quelque Ah, chose? tu l'as... Oui, mais ça, tu l'as déjà dit. Ah-ha! Une pelle! C'est un indice! Qu'est-ce que ça fait là? Mais que fait une pelle dans un cimetière? Ouais, en fait, ça sert à rien. Bonjour, mademoiselle. Pourquoi tu pleures? Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu les policiers enquêter ici il y a quelques semaines? Pas de près. Ah, tu pleures pas. Je crois qu'ils examinaient un truc derrière moi. Pourquoi tu Je suis pleures pas sûre. pas? Elle a affirmé avoir vu quelque chose au bord de l'eau. Ça a peut-être un rapport avec mon enquête. Quelque chose au bord de l'eau. Oh! Mais c'est un enfant!
Non. Si. Qu'est-ce que c'est? Que puis-je apprendre en examinant? What? Alors, ah oui, sec, propre et vivante. Oh, décédé, ok, immergé, déchiré, échoué. Waouh, c'était dur. Ah ah, il y avait un fantôme. Un autre fantôme a vu le corps de la victime dériver dans cette direction. Il en sait peut-être plus. Je sais qui tu es. C'est toi. En plus, t'as arrêté de chercher. Coïncidence? Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu sais sur la fille qui a été repêchée ici? Il y avait un truc qui a dérivé avec son corps. Je crois qu'il s'est échoué dans les buissons. Le témoin a vu quelque chose s'échouer sur le rivage dans ces buissons. Je dois découvrir ce que c'est. Mais vous allez me rendre fou à me faire faire des allers-retours entre le passage là. Ok, il n'y a pas beaucoup de chemin, mais quand même. Il faut aller de l'autre côté. Oh. Caché dans l'ombre. Il fait trop sombre dans les buissons pour y voir quoi que ce soit. Je dois trouver un moyen d'y voir clair. Il fait trop sombre dans ces buissons. Ah, c'est bon, j'ai déjà lu ça. Mais, où allons-nous trouver de la lumière? Oh là là, je ne sais pas. Comment pourrais-je trouver de la lumière dans un cimetière? N'y aurait-il pas quelqu'un? Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je ne vois personne, hein, je ne vois personne. Bon, mais... Oh! De la lumière! J'ai besoin de toi pour sortir quelque chose de puissant. Oh là là. Ok. Ah, c'est quand même vachement niais hein, comme jeu. Tant j'aime bien l'histoire. Enfin, peut-être pas l'histoire pour l'instant, je suis un peu perdu, mais la façon de faire et tout ça. Mais autant les indices sont vraiment à nul à chier. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Eh oui, toujours le vide intersidéral. Qu'est-ce qui nous échappe? Une association d'indices, peut-être? Mais non. Oui, c'est quand dans le commissariat, il y a un gars qui s'est pendu avec. Rien à voir. Alors. Ok. Est-ce que ce serait ça par hasard? Un peu de difficulté, mon Dieu! Faut aller en amont pour savoir comment elle est morte. Je dois prévenir Joy. Préviens Joy. Joy. Il y a des ressemblances avec les autres meurtres du crieur des morts, mais il me faut plus d'infos. Bon, bah on va parler à Joy. Salut Joy, comment vas-tu? Son corps s'est échoué sur les berges, donc elle a été tuée ailleurs. Ah, fais des bisous à ça. Il y a des kilomètres de berge. Autant chercher une aiguille dans une batte d'aiguilles. What? Non, Einstein, là c'est un paquet d'aiguilles. Mais c'est pas ça le. Mais c'est mal traduit ou c'est moi? À elle, à Sophia. Une aiguille dans une batte d'aiguilles, ça me perturbe. Je suis désolé, je peux plus continuer comme ça. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Non, je rigole. C'est elle. C'est la fille de la photo. Bon sang, arrête un peu ça, tu veux? Attends, me laisse pas ici avec... Vous avez vu ça? Ouais, elle parlait avec ce policier. Donnez-lui une chance. Hey, j'ai besoin de votre aide. Ah, enfin un fantôme, ça faisait longtemps. Enfin non, je suis pas content, mais... À ton avis? Bien sûr que j'ai entendu. T'es venu. Fais chier. Ils sont où les démons? Ils sont là-bas. Bon, ils viennent pas vers moi, c'est le principal. Et tu cherches quoi au juste maintenant encore? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sophia?
Non, j'ai pas réussi à la rattraper. Alors, pourquoi tu me parles ? Po-po-po ! Oh, calme-toi, s'il te plaît. Je parle à qui je veux, quand je veux. Ah ah, on peut rentrer à l'intérieur, ça c'est... C'est bon à savoir ça. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, ils auraient pu mettre un truc ici, franchement, c'est pas... Tout le monde n'y serait pas allé, n'empêche. Oh. Bon, bah il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et alors on va avancer, on va faire attention aux démons quand même. Il y en a trois, c'est apparemment. Alors on va s'occuper de lui là-bas. On peut pas monter là-haut. Hop là. Oh merde, il m'a vu ! Ah ! Vite, cours, 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 cours ! Je suis allé trop loin. Ah, je pensais pas qu'il m'aurait vu, tiens. Je pensais pas du tout qu'il m'aurait vu. Bon, ça va, ils ont pas bougé. Du coup, on va se cacher pour m'approcher de lui, hein. Merde, j'étais bien là. Allez, 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 un truc facile. Oh ! Mais je l'ai bien fait, pourquoi ? Waouh, ça a bugué. Cours, 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 allez, allez. Je suis là. Où c'est qu'il est là ? Bon bah on va s'attaquer à celui-là plutôt. Hein. Et viens là mon petit, viens. Allez, qu'est-ce que tu vas me dire toi ? Et pim, dans ta gueule, le fantôme de mes couilles. Alors démon, qu'est-ce que tu dis de ça ? Elle me fait du morse ? Eh oh, coucou, copain. Bon, on va retourner là-bas du coup. Oh. Et cette fois on va la voir, on va la voir. Ah oh là là. Ce W, j'aime pas. C'est déjà W. Ah ouais, c'est QWERTY. Ah purée. C'est Z en fait. Je suis là. Je suis là. C'est bon, il a fini de me chercher. Et voilà. Voilà, voilà. Il en reste plus qu'un qui se trouve là-bas. On va prendre ça. On va aller voir l'autre. Doucement, doucement. Et mine de rien, pas facile. Hein. C'est peut-être le seul truc pas facile du jeu, en fait. Allez, on va se rapprocher délicatement. Voilà, voilà, viens là, mon petit. Mais oui, mon petit, viens là. Et bim ! Et voilà, l'avenue est sauf, hein. Ben voilà, je suis tranquille. On va pouvoir fouiller tranquillement. Il y a quelque chose là-bas. Pourquoi il a une lumière, lui ? Ok, pourquoi il a plus de lumière maintenant ? Ça n'a aucun sens.
Ah, maintenant elle est là, la lumière. What? Mais... Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas du tout ce que c'est, mais... On va avancer, hein. On va avancer. Encore. Encore ces signes bizarres. Je sais toujours pas ça sert à quoi, c'est quoi. Ah, ça vous amuse, hein, bande de gamins. Ah, là là. Ça peut être si difficile. Bah, vas-y, toi, t'as qu'à essayer. Non, moi, je tiens la langue. Je sais que ces gens de la cité... C'est rien qu'une barrière, non? Je veux dire, ça va mal finir. Bah pourquoi tu fais ça, alors? Super! C'est une super idée de se trimballer avec un pied de biche quand on fait du stop au milieu. L'affaire est bien m'aider! Eh, pas de soucis. Mais je te rappelle que c'était ton idée. Bordel! On dirait un putain de hippie. Ils doivent laisser les portes entrouvertes pour que ce soit facile de détourner les morts. Bonne idée. Yeah, mon frère. C'était une très bonne idée. Travailler? Pourquoi faire? Tu ne l'as pas posé quelque part? Il est dans le coin. Continue à chercher. C'est indispensable pour notre bien entre potes, tu sais. Ta gueule! Ok, bon, bah c'est bon. C'est bon, t'as fini. Des choses à raconter. Et ben moi je peux y aller dedans. Mouhahaha. Qu'est-ce que... Bonjour. C'est qui le héros? C'est quoi tout ça? Bah c'est qui le héros? Petit, il était le héros. Mon arrière-grand-père. J'ai trouvé tout un tas de trucs datant de la guerre dans son grenier. J'ai même bu dans sa flasque. Pourtant, ma famille ne parle jamais de lui. Et j'en suis mort. À cause de ces histoires de guerre horrible. Ça devait être génial d'embaucher quelqu'un avec une baïonnette ou de repeindre les murs. Waouh, mais c'est un fou furieux, le gars. Pour moi, petit, ce genre d'expérience est traumatisant. Et on n'a plus qu'une envie, c'est de les oublier. Et alors? C'était un héros. Je ferais n'importe quoi pour qu'on se souvienne de moi de cette façon. Mais pour eux, je serais toujours le lâche qui s'est suicidé. Eh ben, t'avais le cap à te suicider, écoute. Je l'ai pas fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis pas un lâche. Si j'étais encore vivant, je leur trancherais la gorge à tous ces menteurs. Ok, d'accord, c'est un sujet sensible. Je comprends. Hey, tu veux pas l'aider, non? Les gens comme vous ne comprendront jamais. Oh là là, vous me faites pitié, allez, arrête. Ah ah! D'accord, je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. J'y suis allé, pas vous. Qui a eu cette idée? Bah, allez, démerde-toi. Eh, mais attends, ils veulent prendre les armes, ces cons, là. Eh, petit con, touchez pas à ces armes. J'y arriverai pas, de toute façon. Ah, la petite fille. Oh, tu vas me faire courir tout, surtout le long du cimetière, là. Ah ah, une cloche. Aviser l'agent. Oh, ok, bon. Je peux pas passer par là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je peux peut-être t'aider. Je peux t'aider? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette chose? Bah c'est une tombe. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'a l'air tout à fait normal. Sa fonction est d'apprendre aux gens qui j'étais. Et je vous assure que je n'étais pas aussi crasseuse. J'étais importante, riche, propre. J'avais compris l'importance primordiale de l'apparence. Et ça, ça ne va pas du tout. On ne dirait pas, hein. Pourquoi t'as un col roulé alors? Mets-toi des décolletés, des mini-jupes, comme les filles de notre génération. Oula, j'entends des bruits bizarres. Non? Bah non. Rien de spécial.
Mais il y a des papiers, c'est normal. Il y a des papiers d'elle qui traînent un peu partout. What? La partie la plus ancienne du cimetière, construite dans les années 1660. Non. C'était avant ou après le procès? Oh, bonne question. Tout le monde a entendu? Oh là, il faut trouver des trucs comme ça maintenant. En fait, le cimetière a été construit quelques décennies avant. Ce qui en fait un endroit... C'est intéressant, j'ai envie de savoir en plus. Nous allons continuer. Si vous voulez bien sûr. Cette ville ne se résume pas aux histoires de sorcellerie. C'est si paisible maintenant. Mais il est arrivé des choses horribles à ces gens. C'était pas long comme visite. Ça doit être parce qu'il est tard. Peut-être parce qu'elle n'est pas finie, puisqu'il a dit, elle a dit que vous allez continuer. Non, moi je veux le monsieur là, voilà. Oh, un frisson. C'était un fantôme. Oh, c'est oui, bah t'es pas si loin de la vérité, mon gars. Ouhou. Bonjour. Laisse-la tranquille. T'as un problème? Eh hey mec, y a un problème? En quelque sorte. J'étais bouché avant que cette merdeuse décide de mettre son sale petit nez dans mes affaires. Et j'en faisais des kilomètres pour acheter ma marchandise. Je remportais des récompenses à la peine. Et puis, son fils a disparu. Et on m'a condamné à la peine de mort. Mon petit doigt me dit que tu l'as tué, non? Je l'ai pas tué. J'ai jamais tué personne. C'était mes cochons qui s'en chargeaient. Oh! Tu vas la hanter jusqu'à la fin de ses jours. À la Pulp Fiction. C'est simple. Je lui demanderai si elle a apprécié le coup de son fils. Ce qui est marrant avec les cochons, c'est que la saveur de leur chair change selon ce qu'ils mangent. J'ai entendu dire qu'il y avait un endroit réservé au type. Ouah ! Alors là, oh mais ce mec, c'est un grand malade. C'est un grand malade, un mélange de Pulp Fiction et du mythe de je ne sais plus qui d'ailleurs, hein, où il fait manger des humains, des dieux. T'es vraiment glauque hein, comme mec. C'est elle la responsable. Ah ça va, t'as tué son fils quand même. Et lui c'est un flic et bon voilà. Non. C'est un flic et ça le choque même pas, tu vois. C'est... Bon, en même temps, il peut pas faire grand-chose, mais bon, on va continuer, écoutez. J'ai vu quelque chose, là. Non, rien. Ok, bonjour. Mais pourquoi il y a tout ça, là? Ça sert à quoi? D'où il y a des lits comme ça? D'où on met des lits dans le vide, dans le... Regardez, sur le chemin, quoi. Sur le chemin, il y a des lits, c'est normal. Oh, il y a quelque chose là. Je peux pas le prendre. Non ! Je voulais pas sauter. Bon, quarantine. Quarantine, ça veut dire quoi ça ? Eh ben, on va rentrer, écoutez. Ah mais c'est une maison fantôme en fait, y a pas... c'est pas censé y être ça, si? Ah non, c'est pas censé être là. Bonjour! Je voudrais de la bière, mon cher ami. De la bière et des femmes. Ah d'accord, t'es pas du tout... À qui appartient cette main? À qui appartient cette main? Ah, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Petit sacrifice au nom de la science. Ouah, mais c'est peuplé de malades mentaux. Ça ressemble plus à du vaudou qu'à de la science. Ceux qui parlent de vaudou ont oublié la raison d'être de la science. Il s'agit de donner un sens au monde qui nous entoure, de comprendre les forces à l'œuvre. Bien sûr, la recherche peut parfois s'avérer salissante. Mais est-ce une raison pour... Et t'as fait quoi comme étude? Ah, mais j'ai fait 3 ans en première année de médecine. Vous avez fait des expériences sur vos patients? La plupart sont plus morts que vivants. Je soigne ceux qui ont une chance. Les autres me servent. Ah, voilà un homme bien. Pas de cobaye. Voilà, mais non, c'est un mec bien. Si vous voulez bien, je suis débordé.
C'est comme ça qu'on découvre les maladies. Si on fait que des expériences sur les hommes morts, ça sert plus à rien. Non? Dis-moi en plus. Du balai, je travaille. Où ça? Un balai? Ah non, du balai, ok. Non, je déconne, j'avais très bien compris ce qu'il voulait me dire, je vous rassure. Ah, bonjour ma petite. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai que... Enfin, je crois que ça mène au même choix à peu près, mais... Mais bon, je peux pas choisir l'autre après. Bon, pourquoi tous ces gens sont-ils malades? C'était quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'était que cet endroit? Je ne sais pas. Ils appellent ça un hôpital de campagne. Je vous en supplie, sortez-moi d'ici. Les apparences sont trompeuses. C'est un fou. Qui? Le mec là devant? Le docteur Trotter. Comment ça? C'est pas un hôpital? Mais qu'est-ce que c'était alors? C'était un abattoir. Ah, t'aider. C'est pour ça qu'il y a le boucher en dessous. Je suis désolé. Et toi, tu es la cochonne? Je suis trop faible pour me battre. Mais t'es un fantôme, casse-toi des puces et tout. Bonjour. Du balai, je travaille. C'est toi le docteur Trotter, là? Tu veux courir? Moi? Bon ben, je vais pas t'aider, écoute, hein. Tant pis pour toi. Je suis trop faible pour me battre. Bon ben, si tu veux pas que je ne t'aide pas, et puis c'est tout. Ah, te voilà bloqué, ma petite. Je suis de ton côté, je veux juste te poser des questions. Ouais, mais t'as un visage glauque, quand même, Pourquoi je suis le seul revenant qui peut pas se téléporter? Faut que je comprenne comment ça marche. Ah oui, je veux me téléporter. Maintenez, enfoncez pour faire apparaître une balise et placez-la. Ah, voilà. Et le mec, il a compris ça tout seul de suite, là. C'est maintenant. Déplacement instantané. Wouhou. Voilà, il y a 5 minutes, il savait pas le faire. Maintenant, il sait le faire. Ah bah du coup c'est intéressant de voir ça. Hop là, bonjour, je suis là. Ah, c'est Mario. Ah non, il a pas de casquette. Je croyais qu'il avait une casquette. Mais il est mort. Mon papa, il est pas là. Il est mort. Confortez-le dans la mesure du possible. Ses organes internes sont en train de lâcher. Il en est plus pour longtemps. Bonjour, t'es qui toi? On va tous y passer. Pitié, aidez-moi. Mais t'es mort, tu ressens plus la douleur, qu'est-ce que tu racontes? Ta connerie, non? Bon, ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de là? Oula, j'ai entendu un mot bizarre. D'accord, les fantômes peuvent se téléporter à travers les brèches. C'est bon à savoir tout ça. Et ben voilà! On en apprend des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Gramophone. Et? Ok. Et on s'en fout. Journaux de médecine. Et on s'en fout. Ça sert strictement à rien. Exit. Elle est déjà partie, je crois. Remède contre la fièvre. Mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? Pourquoi ils me font faire ça? Ah, ça par contre, ça sert. On va voir si j'ai rien oublié parce que bon. Ah, merde. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je peux pas sauter avec le fantôme.
Voilà, c'est là. Maintenant que je peux me téléporter, je vais l'utiliser et le réutiliser, et ça en continue. Voilà, jusqu'à en faire mauvais escient. Regardez, regardez. Hop là! Alors... Allez, en fait, c'était pour aller au même endroit. Ok. Ok, bon, bah... Ah, et du coup, quand on retournera au cimetière, je pourrai aller de l'autre côté, c'est bon. Voilà, voilà, ben on en apprend, voilà, on en apprend tous les jours. Et voilà, maintenant que je sais le faire, faut que je l'utilise toutes les 5 minutes. Une seconde, tu veux? Elle en a rien à foutre, rien à branler. Je vais pas te suivre, j'ai envie de visiter moi d'abord. Le mec, il est en plein de course-poursuite, mais il prend le temps de visiter quand même. Hein. Ok, ok, ok. Bon. On visite tranquille. Hein. C'est espace détente hein, ici. C'est vraiment. C'est vraiment un jeu de détente quoi. Il y a pas d'action, il y a pas tellement d'action que ça. C'est pas, ça fait pas peur. Et c'est pas spécialement dur. Donc c'est vraiment un jeu vraiment très détente. Ah, un caméraman. Je vais être filmé. Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à Salem, Massachusetts. Coucou. En raison de son histoire sinistre. Ah mais il y a déjà un fantôme devant, mort de rire. Rencontrer les esprits tourmentés. Ou la mort de rire. Les spectres du passé qui hantent encore ce cimetière. Ah ah. Tout ceci est loin d'être terminé. Tant de morts et tant d'autres à venir. Je ne peux m'empêcher de voir ce cimetière se remplir encore et encore. Les gens vont se moquer. La mère de Joy craint que le créateur des morts ne frappe encore avant d'être arrêté. Tu parles. Mon public aime les sensations fortes. Bah si c'est un assassin en même temps, c'est normal. Bonjour. C'est un endroit idéal pour réviser. What? Une sortie scolaire mais comment tu sais que c'est un élève? Il a pas de cartable, il a pas de cahier, il a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sortie qui a mal tourné? Non. Pourquoi vous avez fermé la porte derrière vous? J'ai pas fermé la porte derrière moi. La porte s'ouvre de l'extérieur. Vous êtes coincé ici maintenant. Si je rate les cours ou qu'on me surprend ici, je perdrai ma bourse. Il faut qu'il me laisse sortir. Donc, ce n'est même pas la tienne. Bah, n'importe quoi, bien sûr que non. Ça commence à me faire flipper. Il m'avait dit que ça allait être marrant. Je suis pas contre le bizutage. Et là. Ouah ! Un bizutage qui a mal tourné, sérieux. Essaie d'ouvrir la porte. Donne-lui un bon coup d'épaule. Fais-moi confiance. Une fois dehors, il ne te préoccupera plus des cours. Ouais, c'est ça le vieux. Je m'en sortirai tout seul. Eh, regarde, regarde ce que je sais faire. Hop là, hop là. Bon, bref. Il s'en bat les couilles. Je suis où là? Ouah. Ah, d'accord. Et là, il y a quoi? Ok, ok. Eh ben, on va se faire filmer et c'est sur cette scène où nous faisons le mariole devant la caméra qu'on va se dire au revoir. Bon, cet épisode aura duré un tout petit peu plus longtemps, hein, mais j'espère que ça vous déplaît pas. J'espère que ça vous plaît plutôt hein, et que. Enfin, merci à tous pour regarder cette série. Je vous dis bisous à tous. Bye bye.